Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois c'est la vidéo trash que je vous ai promis. Alors cette vidéo elle sera vraiment trash, donc c'est pour ça qu'elle est interdite au moins de 18 ans. Il y aura des paroles très crues, je préviens tout le monde, voilà. Donc accrochez-vous, c'est une vidéo qui va être très trash, voilà. Alors je voudrais vous expliquer aussi le pourquoi je fais cette vidéo. C'est un peu, j'ai envie de faire ça sous la forme de l'humour. Après, c'est quelque chose de trash, ok, mais sous forme de l'humour, voilà. Alors, c'est quoi un trou du cul? Alors, tous dans notre vie, on va croiser des trous du cul masculins ou féminins, hein, c'est égal, hein, ouais. Bon, voilà. On va en croiser. Ils vont nous faire chier. C'est le cas de le dire, voilà. Voilà quoi. C'est une vidéo vraiment particulière que j'avais envie de faire. Alors, le trou du cul, je vais vous donner. Pardon. Je vais vous donner le. ce que c'est. Enfin, vous dire ce que c'est, s'il y en a qui ne savent pas. Le trou du cul, c'est quoi? C'est l'anus. Le trou du cul, c'est un jeu de cartes également. Alors. La définition du trou du cul, soyons sérieux. Le trou du cul est une insulte à caractère sexuel désignant une personne idiote ou hautaine. On l'emploie pour les hommes plus que pour les femmes. Bah oui, on va plus dire à un homme t'es un trou du cul, à une femme ça se dit pas. Puis déjà, c'est totalement impoli, on est d'accord. Voilà. Après, bien sûr. Quand vous cherchez un endroit perdu, on dit toujours c'est le trou du cul du monde. Si vous vous trouvez au fin fond du Pérou, je ne sais pas où, hein. Bon, je donne un exemple, mais le Pérou, je pense c'est très beau. Mais voilà, vous cherchez un lieu isolé, bah, c'est le trou du cul du monde. Par contre, il y a même de la, il y a de la littérature. Il y a de la littérature sur les trous du cul, je vous promets. C'est le sonnet du trou du cul de Verlaine et Rimbaud. Apparemment, c'est des poèmes de Rimbaud. En anglais, trou du cul, c'est un asshole, un enculé, quoi, voilà. Appelons un chat un chat. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Donc, le trou du cul, c'est aussi un jeu de cartes. Et si jamais il y en a qui partent en vacances en France, il y a un village en France qui s'appelle Mon cul, mais Mon cul, Moncu. CU, je crois, c'est comme ça, mon cul. Bon, alors, si jamais vous allez en vacances là, n'oubliez pas d'envoyer une carte postale à quelqu'un que vous aimez pas. Bah ouais, parce que vous enverrez une carte postale de. De mon cul. Voilà, alors. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo totalement trash. Trash, voilà. Je trouve qu'on n'ose plus dire les choses. Voilà. Quand je vois la télévision maintenant, on n'ose plus dire des trucs, on est censuré, machin, il faut jamais rien dire, et ben voilà quoi. Moi, je prends le risque peut-être que YouTube va me censurer, je sais pas, je prends le risque. Ça, vous pourrez pas mettre des commentaires parce que je vais mettre quand même 18 ans justement à cause de ça, mais voilà. Si on peut pas rire des trous du cul, c'est des gens qui nous font chier, c'est le cas de le dire. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'en rire? Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire ceci alors qu'eux, ils nous font chier, ils nous emmerdent, c'est des enculés, enfin voilà quoi. On a tous connu ça dans notre vie, j'en suis sûr que vous aussi, vous avez connu des trous du cul, quoi, on va pas dire autrement. Et j'avais envie de faire une petite vidéo légère d'humour, certes qui est trash, avec un langage trash. C'est pas très courant et c'est pas dans mon habitude à moi, mais j'avais envie d'un peu aussi vous faire rire. Vous faire rire, voilà, parce que le rire c'est important. Le rire c'est important, ça vous aide dans votre vie, ça vous détend, ça vous déstresse du travail, enfin voilà quoi. C'est important de rire un petit peu dans. Enfin, essayez de rire tous les jours même, ça va vous faire du bien. Rire, ça fait du bien. Pleurer, bah, ça fait du bien aussi, ça vous aide à dormir. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, n'oubliez pas que on est entouré de trous du cul.
On a tous les trous du cul, mais bon, il faut relativiser. Il n'y a pas que des trous de balle, hein. Il y a aussi des trous du cul. Il y a aussi des gens bien. Il y a des gens très bien. Je le dis toujours et je le dis et je le redis. Moi, j'ai connu des gens bien dernièrement. Voilà, quand j'étais en clinique, j'ai connu des gens super bien et des gens moins bien, mais voilà. Mais on s'en fout. Il faut pas mettre tout le monde dans le même tas, quoi. Mais il faut savoir que un jour ou l'autre, vous allez tomber sur un trou du cul. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous allez tomber sur un trou du cul. Un trou du cul, un connard, un fils de pute, enfin voilà quoi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour cette vidéo trash. Je vous ai annoncé du trash. Bah, vous avez du trash, voilà. C'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos comiques. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Puis vous me direz ce que vous en pensez, mais dans la prochaine vidéo, parce que là, il n'y aura pas les commentaires, parce que je suis obligé de mettre moins 18 ans pour celle-ci. Voilà, bye bye, merci à tous, bonne journée, bye bye.